Vous allez toujours dire que Franco fait des analyses, un genre, un genre. Oui, je suis dans mon rôle. Écoutez les questions de mon frère Steve Fa dans une émission qui est supposée valoriser la femme. Une émission, n'est-ce pas, qui est censée défendre les valeurs et les droits, les devoirs de la femme. Ici, on parle du sexe. Écoutez. Mis à part les gens qui t'insultent, dans la vraie vie, quand tu passes au quartier, quelle est la réaction des hommes quand ils te voient? D'autres personnes sont très surprises. Oui. Et d'autres me voient comme une sorte d'idole et me Voilà. demandent même des photos. Est-ce que depuis que tu fais ce que tu fais là, tu as plus de courtisans ou moins de courtisans? Ils sont très nombreux. Voilà. Maintenant, Mais ça, c'est là où je vous dis qu'il faut, il y a des faire choses qu'il faut attention. comprendre. Parce que la fille qui est là, La là, je vais tête te de quelqu'un poser est une autre question. hypocrite. Est-ce que ce que tu fais là, est-ce que le nombre de courtisans que tu as maintenant, est-ce que ça te fait plaisir d'avoir ces courtisans? Ça flatte, non? Si, ça me C'est fait flatteur. plaisir, mais... Est-ce que si tu étais aux États-Unis et on te disait de continuer ce que tu fais là, tu allais faire, puisque là-bas, tu peux faire ça librement. Ouais, j'allais le faire. Quoi? Est-ce que si tu étais aux États-Unis et on te disait de continuer ce que tu fais là, tu allais faire, puisque là-bas, tu peux faire ça librement. Ouais, j'allais le faire. C'est quoi ça? Qui sont ceux-là qui disent que Cynthia Fiangan va un jour changer? J'ai lu en commentaire là tout à l'heure quelqu'un qui a dit que Cynthia Fiangan est le moteur du X. Même si on refait le moteur là combien de fois, c'est un moteur qui est déjà gâté. Elle dit que si elle était aux États-Unis et s'il fallait reprendre, c'est ce que son avocat lui demande. S'il fallait reprendre ce qu'on lui reproche ici au Cameroun depuis là, quelqu'un qui est supposé, qui dit qu'elle a compris, qu'elle a changé, elle dit que oui, sans même hésiter, oui, je devais le refaire. C'est souillant, hein? Maintenant, je vais vous faire écouter ce qui a rendu cette petite fille comme ça. Même si on fait quoi, elle ne peut plus changer. Écoutez, ce sont ses parents. Ce sont les parents de Cynthia qui sont à l'origine. Écoutez attentivement ce qu'elle-même a dit. Écoutez. Papa avait toute une collection, mais il cachait. Du coup, Une chaque fois collection que... de quoi? De De films... chocolat? Non. Des films pour adultes. De films pour adultes. Moi, j'avais D'accord. découvert ça quand je passais, je faisais souvent le ménage, je nettoyais les... J'ai découvert ça. Du coup, j'ai commencé à... être un peu curieux. Chaque fois qu'il n'y avait personne, je prenais ça et je mettais. Je me rassurais qu'il n'y ait personne et que tout soit entièrement fermé. Je reste là, je regarde. J'ai adopté ça durant des années. Personne ne le savait. Après cela, on a aménagé, on s'est séparé de notre père. La collection était toujours avec moi, que je cachais bien sûr. Du coup, vu que maman vendait et chaque fois qu'elle vendait, je profitais pour dire à maman que maman, je vais aux toilettes à la maison. Pourtant, je vais pas réellement aux toilettes, je vais regarder mes Regardez. films. Bon, c'est ce qui s'est Parents, passé. cachez vos films. N'achetez plus le film. Non. Je pense même que ce que j'ai dit là prend tout son sens. Au lieu de continuer de cacher les films pour adultes, je Montrez. pense qu'à un moment, à un Tu certain ne dis âge, pas ça. non, à un certain âge, parce que voilà, à un certain âge, parce que je connais les parents, juste parce que deux personnes s'embrassent à la télé, on arrête la télé. Non. Il faut pouvoir montrer ce genre de scène à un enfant. Moi, Expliquer. si je veux expliquer, si je veux. Mais film porno, Attends, c'est une plus mais risqué. moi, je. Non. Si je veux Attends, expliquer ce laisse-moi genre de finir. choses, vous allez Tes peut-être rire. enfants, Si je veux comment tu. peut-être expliquer, voilà. Non, il y a l'âge pour tout. Ouais. Ce n'est pas à 6 ans que tu vas faire ça. Ok. Voilà. Il À fallait que 18, je fasse oui. À 18 ans, je prends mon enfant, je mets le porno. Ah, ça me voit mal. Quoi? À 18 ans, je prends mon enfant, je mets le porno. Hey, laisse les gens. C'est quoi ça? J'ai dit qu'il faut appeler le chien par son nom si on veut éduquer les jeunes. On n'est plus Non, au niveau, ils connaissent ça. En le Voilà. faisant, vous risquez de tomber, parce que la majorité au Cameroun, c'est 21 ans. Non, Oui. 21 ans. Et en le faisant, vous pouvez tomber sur le coup de la loi. Non, Parce qu'il dis y a, 21 ans. des choses qu'on ne doit pas faire devant un enfant de 18 ans. C'est défendu par le droit du Cameroun. C'est Justement, pour cela c'est pour ça que vous êtes là que pour nous aider. c'est pour cela, monsieur l'influenceur, Ouais. que je disais que vous devez avoir pour mission publique également de faire connaître aux gens ce qui est. Voilà. C'est ça. D'où une collaboration qui peut s'établir entre les influenceurs Les juristes. et les juristes. Parce que ce que les gens devraient comprendre, c'est que
là viennent de l'éducation familiale qui encadre toutes les autres éducations. Je suis d'accord qu'il faut enseigner des choses aux enfants, mais je suis pas que le père instruit et montre la bonne voie, l'enfant ne sera jamais dérouté. Quand bien même son ami viendra lui montrer un film porno sur son téléphone, il saura quoi faire. Il faut aussi voir que si l'éducation se transmet de mère à enfant, je donne ce que j'ai. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Toi aussi. Vous avez compris. L'avocat de Cynthia Fiangan dit que à 18 ans, je ne sais pas, l'âge des mineurs, l'âge mature, ou c'est quoi, des mineurs. Ou en fait, il dit que à 18 ans, on doit mettre le film porno. Donc toi le père, tu dois mettre un film porno et tu regardes avec ta fille qui a 18 ans. Vraiment, je suis étonné. Moi, je dis bien que moi, en tant que responsable, père d'enfant, même si c'est à 25 ans, même si c'est 30 ans, même si ma fille est déjà allée en mariage, je ne peux pas mettre le film porno. Regardez avec ma fille. Hey! 18 ans. Attendez un peu. On est pour. Et c'est clair qu'il faut sensibiliser les enfants. C'est même tout à fait normal. Mais sensibiliser les enfants et pervertir l'enfant, c'est deux choses. Comment à 18 ans, je dois mettre le film X et dire à l'enfant que regarde les positions, regarde comment... Haya! Non, j'appelle ma fille. Je dis à ma fille. Ma fille, tu sais que tu es à l'âge de la puberté. Tu sais que les hommes sont comme ça. Les hommes sont comme ci. On va toujours te tromper. On va toujours te dire ceci, te vendre le rêve. Te dire ceci, cela. Pourtant, c'est des mensonges. Tu devrais plutôt te concentrer pour tes études. En fait, voilà un peu des trucs que tu vas mener. Tu peux lui parler du sexe. Tu dis que ma fille, tu vois, quand l'homme et la femme, vraiment, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, il faut éviter ceci. Si un jour, telle chose comme ça se passe comme ça, comprends déjà que ça veut dire tel. Mais, aller au point de mettre le CD pour montrer que... Ma fille, regarde un peu comment on tape, regarde. Maintenant, je m'adresse aux parents. Quand vous achetez vos trucs là, vous ne pouvez pas aller cacher ça dans vos valises là-bas, dans votre chambre. Regardez donc comment le père de Cynthia Fiangan avait les films X versés à la maison à cacher l'avenir ou bien la vie de sa fille. Parce qu'elle explique qu'elle avait pris tout ça. Elle partait aux toilettes se cacher pour regarder. Mais ma fille, à un moment donné, on me dit, eux aussi les mensonges là-dedans. À ton époque, là, il y avait les téléphones Android. Tu partais te cacher comment? À quel âge? Ah bon, peut-être tu avais le téléphone Android. Je ne sais pas. Mais, chers parents, soyez un peu responsables. C'est le truc que tu vas regarder, papa et maman. Tu ne dois pas exposer sur le salon. Tu ne dois pas mettre ça n'importe où. Après, on va se plaindre que les enfants sont devenus X, les enfants sont devenus Y. Pourtant, c'est aussi la faute des parents. C'est quelle image que vous donnez à l'enfant? Quand toi-même, tu peux un mec laisser de regarder. C'est pour dire à l'enfant que, ma fille, tu peux devenir aussi comme les gens aussi après. Et quand l'enfant cherche à devenir ce que tu lui as montré, comme la femme l'a dit, qu'on ne peut donner, hein, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle possède, comme vous avez entendu. Et c'est normal. L'enfant va seulement suivre le chemin que tu as tracé pour elle ou pour lui. Prenez vos responsabilités en main. Sensibilisez bien vos enfants. Éduquez bien vos enfants avant de vous plaindre. Pourquoi les autres filles, pourquoi on voit les femmes aujourd'hui qui sont ministres, les femmes, certaines femmes qui sont présidentes, les femmes qui sont magistrates, les femmes qui sont députées et tout le reste. Elles ont fait comment? Elles ont reçu une bonne éducation de leurs parents. Éduquez bien vos enfants. N'abandonnez plus vos enfants à elles-mêmes ou à eux-mêmes. Cette vidéo était pour les parents. Partagez-moi cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette page, abonne-toi. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.